Le management en logistique, c'est accompagner les équipes qui sont en charge du traitement de la marchandise et du traitement des livraisons vers les magasins. Donc aujourd'hui, le management, c'est un management de terrain, c'est un management de projet et c'est un management d'accompagnement de l'évolution des équipes. Les métiers de la logistique sont assez peu connus. On a toujours en tête les palettes, les cartons, mais c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche que ça. Dans chacun des métiers, il y a des spécificités. De plus en plus, on utilise la technique. De plus en plus, on utilise évidemment l'informatique. De plus en plus, c'est un métier de projet. Nous, on est vraiment à la recherche de personnes qui vont non seulement comprendre les métiers de base de la logistique, mais de pouvoir remplir les différentes missions qui sont autour de toute cette organisation logistique. Je suis coordinateur transport et en même temps coordinateur de la planification de la production en entrepôt. La première partie, c'est coordinateur de la planification, c'est m'assurer que tous les flux demandés par l'amont, donc l'approvisionnement, la vente, arrivent au bon moment dans nos magasins. La deuxième casquette, c'est coordinateur transport, c'est la suite de la planification, c'est m'assurer que ce qui a été produit par l'entrepôt arrive en bon état, au bon moment et dans les meilleures conditions possibles dans les magasins. Moi, dans mon parcours personnel, j'ai fait un an à l'université, ça ne me correspondait pas. Ne sachant pas quoi faire, je cherchais quelque chose où j'aurais de grandes possibilités de me faire embaucher facilement et rapidement. À la sortie de la LA, j'ai postulé dans 3 entreprises différentes. J'ai eu mon premier entretien en octobre 2016 chez Trafic et je suis rentré en novembre 2016. Les compétences que j'ai acquises à la LA, c'est une compétence de réflexion, d'analyse et d'identification des problèmes. Il y a une partie théorique dans les cours, mais c'est surtout la partie qui va nous amener à réfléchir, à amener des solutions, à mettre en place des actions pour résoudre les problèmes. La logistique est très large. On peut s'épanouir dans plein de domaines différents, qu'on aime un peu plus l'opérationnel, un peu plus le management. Il y a tellement de facettes diverses et variées que n'importe qui, j'ai l'impression, peut s'épanouir dans la logistique. Ce qui me plaît le plus, c'est que la journée type n'existe pas. On arrive le matin, on a un projet, on a un plan. 9 fois sur 10, on repart en fin de journée en se disant « j'ai pas fait la moitié de ce que j'avais prévu, mais j'ai quand même fait énormément de choses ». C'est le fait de ne pas savoir dans les grandes lignes, de ne pas savoir ce qu'on va faire le lendemain, de ne pas savoir ce que la journée va nous réserver, c'est d'avoir des petits imprévus. C'est pas un travail monotone.